Alors, le sourire. Non, mais le sourire, bah oui, effectivement, c'est très important. Moi, je sais qu'on m'a souvent dit, petite, Adéla, souris, il faut sourire. C'est vrai que quand on est petit, on ne comprend pas beaucoup. Et puis, on a tendance, surtout à l'adolescence, à faire la gueule tout le temps et tout. Mais en fait, on apprend en grandissant que sourire, bah, finalement, ça permet d'obtenir plein de choses. Voilà. Et que bah, c'est très important dans la vie. Et mon père? Ah, très bonne question. Oui, parce qu'alors moi, des pères, je crois que à la fois j'en ai pas eu du tout et à la fois j'en ai eu plein. Bon, aujourd'hui ils sont plus là malheureusement. Mais bah, peut-être qu'aujourd'hui, si je fais de la musique, c'est aussi grâce à eux, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, cru en moi, encouragé. Même si bah, avoir plusieurs papas, il y en a toujours un. Avec qui au début c'est difficile de vivre, mais au final, voilà, c'est des personnes importantes dans ma vie et voilà, qui m'ont beaucoup porté, beaucoup aidé et qui resteront à jamais dans mon cœur. Le petit bonheur. Alors, le bonheur, est-ce que je vis moi dans le bonheur? Ben, je pense. C'est vrai que j'ai la chance de faire ben, un métier que j'aime. Donc voilà, je crois que. Je vis dans le petit bonheur finalement tous les jours, même si c'est un métier pas facile, hein, il faut se le dire. Mais voilà, le bonheur finalement, bah, je pense que quand on fait ce qu'on aime, il est avec nous et pour toujours. Alors, souvenir, un souvenir, bah, on va remonter très loin. Voilà, je me souviens que bah, quand j'étais petite, j'ai eu des poux et on m'a rasé la tête. Et du coup, bah, j'ai jamais pu avoir les cheveux longs, petite. Donc bah, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, j'ai les cheveux très longs. Et je compte pas les couper tout de suite, en tout cas. Et maintenant, alors maintenant, bah, je viens de sortir un album qui s'appelle Si tu m'oses, bah, qui est en vente sur iTunes, Deezer, enfin, toutes les plateformes. Et je continue à bosser. Le live, faire des concerts et écrire de nouvelles chansons pour un prochain album. Tu verras, tu verras. Alors, tu verras que prochainement, je jouerai au Festival de Marne en octobre. Voilà, donc ça, c'est vraiment la prochaine date importante. Et sinon, le futur, ben en fait, je me suis souvent, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup pris la tête avec le futur, l'avenir et aussi le passé. Et en fait, aujourd'hui, je me dis que finalement, bah, ce qui est important, c'est peut-être de vivre l'instant présent. Donc tu verras, le futur, viendra bientôt, autrement. Si ce Voilà. soir-là, regarde-moi, j'avais deviné, dessine-moi que tu étais l'un de ceux que j'attendais. J'étais là pour toi, j'étais prête à renaître. C'était l'heure.